Peuple congolais, le criminel Denis Sassou Nguesso a été démasqué, ces mercenaires français envoyés pour assassiner les opposants congolais ont été arrêtés par les services secrets français. Denis Sassou Nguesso ignore que le Congo n'est pas la France, ici les opposants sont protégés matin, midi et soir par la police française. Le monde entier sait aujourd'hui que Sassou est un criminel né, assoiffé du sang humain et voleur. Écoutez cet article, publié aujourd'hui par le journal Le Figaro, Jeune Afrique et Le Monde, mise en examen de deux Français suspectés de vouloir assassiner un opposant congolais, un troisième homme a été placé sous le statut de témoin assisté, deux Français d'une cinquantaine d'années, soupçonnés d'avoir ourdi un projet d'assassinat d'un opposant congolais, ont été mis en examen à Lyon, a-t-on appris de sources proches de l'enquête. Les deux hommes, nés en 1961 et 1967, ont été en examen. Mercredi 12 septembre pour participation à une association de malfaiteurs et détention d'explosifs et placé sous contrôle judiciaire contre l'avis du parquet, qui a fait appel, un troisième homme, né en 1962, a été placé sous le statut de témoin assisté, les trois hommes ont été arrêtés en Corse, en Haute-Savoie et à Orléans, deux des trois personnes interpellées sont d'anciens agents de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, les renseignements extérieurs français, a indiqué. Une source proche du dossier, sans préciser s'il s'agissait des deux mis en examen, la justice leur reproche d'avoir voulu planifier le projet d'assassiner, dans les prochaines semaines, un opposant au régime du Congo-Brazzaville, domicilié en région parisienne. L'identité de cette cible n'a pas été divulguée, pas plus que le mode opératoire des auteurs présumés du complot. Le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire et la juridiction interrégionale spécialisée a été saisie, allons seulement. Tocan DKK, crise IK élevée.